suis sorti, j'ai pris une cuite fantastique. On était chez les bourgeois. Encore ? Oui. Un jour pourtant, Julie, partie de notre vie. Je crois que ce jour-là, rien ne nous consola. Julie, bonbon, c'est bon, c'est bon. Julie, bonbon, c'est bon, c'est bon. Julie, bonbon, c'est bon, c'est bon. Julie, bonbon, c'est bon. C'était mieux aussi haut, tant qu'à fouilleux. Tout avait commencé le 13 octobre. Personne n'avait jamais entendu chanter Étienne Roblot. Personne ne savait s'il en était capable. Le président-directeur général d'une grande marque de disques lui signe un contrat exclusif. L'instrument qui va vous mener à la gloire. L'ensemble des clauses est assez classique, mais enfin, il y a deux ou trois éléments, Étienne, qu'il va falloir respecter très strictement. Je vous les énonce rapidement. Vous ne devrez pas changer votre apparence physique, ni même votre état social. C'est-à-dire, vous ne devrez pas vous marier pendant les 2 tiers de ce contrat. Quand je parle de votre apparence physique, vous ne devrez pas vous couper les cheveux de plus de, disons, 2 ou 3 cm, ne pas vous raser la moustache, et puis il y a un certain nombre de choses, naturellement, que vous ne devrez pas faire non plus. J'aimerais que vous montriez le contrat, monsieur. C'est un jet. C'est le contrat standard. Oui, classique. Enfin, il y a, à part les quelques clauses particulières, notamment concernant l'aspect de l'image que nous voulons faire d'Étienne, oui, doit être très typée. Donc, supposez que nous commencions de créer une image autour de lui et que brusquement il décide de se mettre des bigoudis ou bien de porter des nœuds papillons, ça ne cadrerait plus du tout avec le personnage. Ça, je pense que vous êtes d'accord. Il ne faut pas non plus qu'il ait une vie privée par trop chargée pendant les premiers temps, du moins du lancement. Étienne, c'est un grand moment dans votre existence. Ah oui. Il ne semble pas vous en soucier. Qui sait, demain, votre nom figurera peut-être sur tous les murs de Paris. Ce serait peut-être la nouvelle idole. Michel, que pensez-vous du contrat, puisque notre ami Étienne n'arrive pas, lui, à se décider. Il a l'air de tourner de son contrat comme... Mais non, mais moi, je trouve ça très bien, c'est bien, moi, c'est joli. Moi. Étienne, hein? Votre contrat de mariage avec la postérité. Paraphe, alors, la première page, un petit paraphe. Là, les initiales suffiront, hein. Appliqué comme un écolier, hein, Étienne. Tiré par la langue. Bien, et une signature sur la dernière page. Voilà. Bravo. Bien. Vous faites la même chose sur le second, Étienne. Il y en a un pour vous, un pour nous. Et maintenant, nous sommes en quelque sorte mariés sous le régime de la communauté. Dis-moi, Étienne, tu as signé d'une croix ou ta signature? Non. La signature. Une très belle signature. Et puis si je réussis, vous m'offrez de Sacré-Cœur, et si je rate, vous me mettez en bas. C'est cela, Étienne, c'est promis. Mais enfin, je suis sûr que vous aurez le Sacré-Cœur. En réduction, parce que celui-ci appartient à la municipalité, je ne crois pas qu'il nous le céderait. Bien, eh bien, je remets une copie du contrat à Michel Taittinger. Je conserve l'autre. Monsieur Simon, voici. Plus de questions? Non. Tu peux rendre de stylo, maintenant. Ah oui. Bien. Bon, alors, Étienne, il ne nous reste plus qu'à travailler. Oui, à travailler très dur, Étienne. Et souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Alors, en ce qui concerne votre vie privée, il est stipulé que vous ne devez pas vous marier, au moins pendant la première moitié du contrat, de manière à ce que nous puissions vraiment créer le personnage, faire l'image qui vous rendra célèbre. Ces jolies moustaches, il ne faudra pas non plus y toucher, cette coiffure. Et alors, gardez toujours cet air simple et sincère qui a attiré l'attention de votre impresario et la nôtre. Et pour le reste, nous nous en chargeons, Étienne. Eh bien, Étienne, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Étienne, voici maintenant avec nous pour le meilleur et pour le pire. J'espère bien que ça sera le meilleur. Ah oui, bah nous merci à vous aussi, monsieur Taittinger. Nous espérons. Monsieur Drugard. Bien. Je vais vous demander de vous présenter. On commence par monsieur. Michel Taittinger, 23 ans, journaliste. Jean-Pierre Frambois, 22 ans, journaliste. Étienne Roblot, 21 ans, artiste lyrique. Bon, 2 journalistes et un artiste qui sont en train de monter une opération d'envergure. Où est-ce que vous êtes journalistes tous les deux? Dans un journal de jeunes. Qui s'appelle Salut les copains. C'est un très gros tirage, je crois, non? Oui. Est-ce qu'on peut avoir un chiffre? 1 million par an. 1 million? Vous avez une idée du nombre de jeunes que vous touchez derrière ce tirage? Plus, bien sûr. Il y a 3 ou 4. 3, 4, 5. Pendant 5 ans, ils ont regardé fabriquer des chanteurs. Des chanteurs qui, sans eux, ne seraient sans doute jamais devenus des idoles. Un jour, ils ont décidé d'inventer eux-mêmes. Ils ont inventé Étienne Roblot. Il représente un personnage physique qui a des attitudes innées, enfin naturelles, qui sont assez extraordinaires. Qu'il a, et vous pouvez préciser plus que le mot extraordinaire? Je sais pas, moi que je trouve, enfin... désopilante. Vous trouvez désopilant? Oui, oui. Est-ce que vous... Mais désopilant, c'est pas tellement le terme, parce que c'est une chose où il faut participer, il faut... au départ, jouer le jeu avec lui, mais après on découvre des tas de choses vraiment très très bien. Derrière ce comique. Oui, c'est un comique très visuel, à mon avis, beaucoup plus que... C'est un comique d'attitude, d'expression qu'il peut avoir sur son visage, dans sa manière de bouger, dans sa manière de se tenir, debout, d'agir dans la vie. Et c'est un comique qui est naturel, c'est pas du tout forcé ou travaillé. Il est vraiment à l'état brut. Et il a toujours été comme ça, autant que je m'en souviens. Il y a des gens qui peuvent tenir un verre et qui deviennent absolument sinistres, et d'autres qui tiennent un verre et qui sont irrésistibles. J'ai l'impression qu'Étienne appartient plutôt à la seconde catégorie des gens qui, avec n'importe quoi dans la main, sont drôles. Moi, il me rappelle Tati, autant jour de fête. Oui. Et ça, et c'est pas du tout une volonté de copie de Tati, c'est purement inné. Étienne est-il aussi drôle que le prétendent ses managers? Pour le savoir, nous lui avons donné rendez-vous, à 9h du matin. À l'époque, il habitait chez Haydée Politoff, la vedette de la collectionneuse et des jeunes loups. 9h du matin, c'était peut-être un peu tôt. Voici Étienne Roblot, à l'état brut. C'est pas une heure pour te réveiller, ça. Oh, les salauds. Ben, on se doutait bien qu'en se préparant à tourner, on te prendrait vraiment dans le lit comme ça. Ah oui, vous allez bien chercher. Oh là là. T'as fait la bringue toute la nuit? Bah oui, un petit peu, pas de trop, mais c'est dur le matin quand même. Je fais trop de bringue. Qu'est-ce que tu veux, une pipe? Ah oui, elles sont là quelque part. Hein. Tiens. Voilà. Quelle vie, hein? Ah oui. C'est pas facile de devenir une vedette, disons. Oh non. C'était beaucoup mieux avant, moi, finalement. C'est tranquille, j'ai mes petits machins, hein. Ah. Chaussures pour rentrer dans la vie. M'embête. Qu'est-ce que t'as fait hier soir? Rien. T'es pas sorti? Non. Je suis sorti, j'ai pris une cuite fantastique. On était chez les bourgeois. D'accord? Oui. Putain, j'ai vu l'autre mec là, hier soir avec sa soeur. Celui qui a l'appartement que tu trouves luxueux. Ah, Michel Taittinger? Ouais. C'est beau, non? Hein? C'est beau. Corse tout, elle prend son temps à tout casser. Bon, non. Hein? Non. Mais si. Pas du tout. Puis c'est sa maison en plus. C'est pas la mienne. Si, mais c'est la sienne d'abord. Dis donc, Étienne, qu'est-ce que tu viens faire dans le lit d'Haydée, là? Je viens lui raconter mes histoires de la soirée. Hein? Normal? Normal? Oui. C'est tous les matins? Rapport, oui. Tous les matins, tu fais un rapport? Et tous les soirs, tu rentres après moi. Oui, c'est bien. Et donc, Haydée, lequel tu préfères? Poupou, là, ton maquis ou... Ah bah, je préfère Poupou. Poupou, c'est ma fille. C'est ma fille. Alors ça, c'est pas pareil. Et Étienne? Bah tiens, je l'ai trouvé un jour chez moi. Tu l'as trouvé chez toi? Je l'ai trouvé chez moi, je suis rentrée du midi. Puis j'ai trouvé ça dans sa chambre. Il n'a pas pris la mienne quand même. Il a eu de la chance. Puis voilà. Alors je l'ai gardé, puis il était drôle. Oui, je me suis projeté bien ici. Il y a longtemps? Il y a un bon mois et demi maintenant. Oh oui? On est bien. Mais dis-moi, Haydée, c'est ton avant de cœur ou quoi? T'as vu sa tête? Qu'est-ce que tu fais là? Il rend service? Oui, je suis l'homme de compagnie. Au départ, c'est un jeune homme de compagnie qui fait le thé. Enfin, il devait faire le thé le matin et le soir. En tout cas, il fait pas le ménage, en tout cas. Entre deux, je suis pas gâtée. Alors, le mec, il sait beaucoup. Non, c'est Sibylline. C'est Sibylline, Sibyloche, Poupou, Mamousse, Mom, enfin bref, tous les trucs qu'elle fait. Et lui, c'est Bouchon, Bouchon. Bouchon, Bouchon. Et toi? Bah, c'est pareil. Parce qu'on est content, on fait Bouchon, Bouchon. Bouchon, Bouchon, on rit, puis on est content. Bah, l'autre fois, je les ai emmenés au jardin des plantes tous les deux. On m'a pas laissé rentrer. Mais les animaux sont interdits. Alors j'ai pensé que c'était elle quand même. Alors je les ai emmenés tous les deux se promener dans une allée bien fleurie avec des grands arbres. Je les ai lâchés tous les deux. Il y en a un qui est resté, c'est lui. Elle est allée sur un arbre se promener normalement. Tu sais, il y a une vieille dame qui a dit « Oh là là, vous avez vu, il y a un singe qui s'est échappé !» Là-dessus, il y a 3 personnes qui sont venues, puis 10, 15, 20, puis au bout d'un moment, il y avait 300 personnes. Alors complètement en dessous de l'arbre, ce qui fait que l'autre, elle piaillait, parce que comme elle est froussarde, comme c'est pas permis, elle pouvait pas descendre. Elle piaillait et tout le monde, alors il y a même les gens du jardin qui sont venus avec des filets, où c'est qu'il est l'animal et tout. T'as pas une proposition pour les mettre à Medrano tous les deux, non? Suite de non, ça. Mais j'ai commencé le maquillage de Roblot. C'était beau, maquillage. Ouais, c'était beau. Transforme en maquille. Limite sans arrêt, mais il se pend en corde et il fait semblant de sauter souvent. Sur les tableaux, on a vu les résultats à côté, mais pas très adroit. Tu trouves qu'il est davantage beatnik ou hippie, lui? Ou ni l'un ni l'autre? Ni l'un ni l'autre. Non, c'est un bon petit bourgeois, lui. Et toi? Moi aussi. Elle les sent un peu plus que moi. Non, moi je crois ça depuis le départ. Elle rêve de palais en marbre avec des trucs dans tous les sens. Lui, ouais, pour un petit appartement à avenue Foch, pourtant il y habite. Alors il dit, c'est beau, quel luxe, t'as vu, il y a 15 tableaux, que ça fait je sais pas combien de millions, puis là ça fait 14 millions, et puis là ça en fait bien. Quelle vie quand même, quel luxe, et c'est beau quand même. Alors elle me dit, t'es complètement fou, t'es un bourgeois. Alors on rentre ici, elle me parle que de tableaux magnifiques, de salles de bain. Ah bah moi c'est par un goût, c'est pas parce que ça fait 20 millions. Non. Non mais comment vous allez faire quand vous aurez des tableaux de 15 millions, comme vous dites, avec le maquis là? On les, on les mettra dans des coffres forts pour qu'ils sautent dessus. Elle ressemble d'ailleurs à quelqu'un de très connu, je sais plus qui, mais... À Paul Naref. Ah peut-être. Elle a les mêmes yeux que lui. Oh non, non, elle a les beaux yeux. Cool. Là, elle est contente. Ça, c'est la lessive de Roblot, parce qu'il se lave pas très bien. Ou elle se lave les dents, ça dépend. Parce que quand elle a mangé des trucs et qu'elle a des trucs dans les dents, elle les passe dans les cheveux. Alors moi, j'ai tout le temps les cheveux. C'est pour ça que Roblot a toujours les cheveux dégueulasses. Tu peux pas nous chanter une de tes chansons d'amour? La Traviata, vous voulez que je vous chante? La Traviata, Carmen, ce que tu veux. Mais je la connais pas, c'est la Traviata. Je sais pas, moi, chante-nous. Je veux une bobine quand il a enregistré. Hein? Je veux une fin de bobine quand il chante enregistré. Ouais, il chante tout quelque chose, quoi. Le matin, quand on se lève, comme toi, qu'on est jeune, on doit être de bonne humeur, on doit pouvoir chanter. Allez, vas-y. Oh, mais moi, je suis pas de bonne humeur le matin, comme ça. Ben, c'est trop tôt pour que je chante. Je suis comme les coqs, moi, comme les poules. Mais les poules et les coqs, pas les poules, mais les coqs, tout au moins, chantent à 6h du matin, 5h du matin. Ouais, je vais vous chanter quelque chose de beau, alors. Ouais. Dans la vie, faut pas s'en faire, moi je ne m'en fais pas. Dire, le premier stade qui a été de décider ensemble qu'Étienne pouvait très bien chanter, qu'à partir du moment où il faisait mourir de rire 10 personnes, il pouvait en faire mourir de rire 10 millions, c'est le premier stade. Le deuxième stade, ça a été, bon, si on veut le faire chanter, pas faire exactement. J'adore faire des blagues. Il dit un truc marrant. Alors, vous m'emmenez avec vous? Tac, 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 tac. Combien tu penses gagner de millions avec lui? C'est de l'ordre de dizaines ou de centaines. Quand on invente un chanteur, il faut lui trouver des chansons. À Paris aujourd'hui, si on a ce problème, on va trouver Éric Charden. Hein? Oui, non, Éric, oui. Tu lui as dit qu'il allait travailler pour la première fois de sa vie aujourd'hui? Non. Non. Je crois qu'Étienne, il ne faut pas lui dire qu'on va travailler. Parce que moi, je ne travaille plus. Ouais. Alors, tu lui dis quoi? On est venu manger des saucissons à la maison. Puis qu'on va... Ouais. On va regarder 2 ou 3 chansons. On est en train de le prendre par surprise là. Oh oui les vaches. Étienne, bon, écoute-moi, voilà, tu vas faire une chanson qui va s'appeler Fernand. Ouais. C'est une vieille chanson de moi, tu vois. Et c'est l'histoire d'un paysan quoi, qui n'ose pas dire à une fille qu'il l'aime, ça dure pendant 20 ans, c'est atroce parce qu'elle devient vieille, grosse et tout, enfin, mais là... Alors, ça sera vraiment une musique, si tu veux, vraiment française, mais avec un son tout à fait nouveau, un son très... comme on fait maintenant. On va le faire commencer par des grelots. Alors, les grelots, on va faire cling, 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 après, tu auras des cloches. Alors, tu vas faire cling, 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 dong, dong. Aujourd'hui, Mathieu, c'est la fête au village, et alors Fernand, il s'est bien habillé, tu vois. Alors vas-y. Et aujourd'hui, c'est la fête au village, et Fernand s'est bien habillé. Il habille sa jolie cravate, un pois jaune sur son costume rayé. Mais c'est pas mal, allez on continue, j'aime bien moi. Allez. Et aujourd'hui, c'est la... Je vais te montrer comment Étienne chante. Et aujourd'hui, il y a fait... C'est pas comme ça que j'aime bien parce que les saucissons... Ouais, mais ça fait... maman, 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 maman. Alors vous allez me faire cette chose toute bête. À vous maintenant. À vous. Maman, 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 maman. Deux accords. Grâce à Éric Charden, Étienne a maintenant un répertoire. Il lui reste à apprendre à chanter. Étienne va donc chez Madame Charlot. C'est sa première leçon. Allez, détendez-vous et attaquez. Maman, maman. C'est bien. Maman, maman. Lâchez votre ventre. Maman, maman. Restez assis sur la taille. Maman, maman. Voilà, crachez vos sons. Maman, maman. Bien droit devant. Maman, maman. Encore une fois, c'est faux. Maman, maman. Voilà, accrochez-vous. Maman, maman. Lâchez votre ventre. Maman, maman. Voilà, c'est bien. Allez. Maman, maman. Maman, maman. Descendez. Maman, maman. Maman, maman. Bien. Maman, maman. Maman, maman. Attention, posez-vous sur la taille. Voilà, installez-vous bien. Maman, maman. Bien, très bien. Maman, maman, maman. Maman, maman, maman. C'est pas juste. Maman, maman, maman. Attaquez droit. Maman, maman, maman. Bien. Maman, maman, maman. Voilà, c'est tout à fait ça. Maman, maman, maman. Plongez pas. Restez toujours droit. Maman, maman, maman. La voix, pas l'individu. Allez. Maman, maman, maman. Bon, attention, restez droit. C'est pas trop mal. Vous entendez qu'il y en a qui sont pas justes. Hein. Il faut placer droit, vous installer sur la taille et les envoyer devant. Je suis pas bien installé, là, j'ai le ventre. Mais oui, vous retenez. Parce que vous pensez que vous chantez, ça doit être comme dans la vie, mais multiplié, c'est tout. Alors, on recommence. Maman, maman. Qu'est-ce que c'est que cette respiration? Maman. On dirait que vous allez faire un 100 mètres. Pas du tout, respirez normalement. Des petits coups d'air après le deuxième accord. J'essaie de pas y penser. Regardez-moi bien. Maman, maman, maman. Plus rien, vous lâchez votre ventre. Maman, maman, maman. Vous lâchez votre ventre. Maman, maman, maman. Oh non, vous êtes vraiment trop contracté. On va abandonner les mamans pour faire les mimis. Hein? Alors, à peine ouvert la bouche et bien tranquille votre souffle. Mimi, mimi, mimi. Mimi, mimi, mimi. Ne prenez pas votre air trop tôt. Mimi, mimi, mimi. Allez, avec moi, entrez dedans. Mimi, mimi, mimi. Lâchez, tranquille. Mimi, mimi, mimi. Lâchez. Mimi, mimi, mimi. Mimi, mimi, mimi. Mimi, mimi, mimi. Attaquez bien, allez. Mimi, mimi, mimi. Pensez au M surtout. Mimi, mimi, mimi. Voilà, très bien. Mimi, mimi, mimi. Mimi, mimi, mimi. Lâchez. Mimi, mimi, mimi. N'ayez pas ce par moment, gardez vos forces. Mimi, mimi, mimi. Allez, lâchez, allez. Mimi, mimi, mimi. Courage. Mimi, mimi, mimi. Bien. Mimi, mimi, mimi. Eh bien, c'est bien. Mimi, mimi, mimi. Allez. Mimi, mimi, mimi. Allez, allez, je sais, vous souffrez. Mimi, mimi, mimi. Allez. Mimi, mimi, mimi. Oh non. Ah, c'est dégoûtant. Oh là 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 là. On recommence. On recommence, on recommence. Allez. Ouais. Bon, écoutez, il ne faut pas rire parce que vous lâchez tout votre souffle, alors. D'ailleurs, c'est mieux, vous vous décontractez, mais je vais vous donner la notion du diaphragme maintenant. Alors, on va faire des attaques, n'ayez pas cet air effrayé. Tranquille, c'est tout. Et vous faites mi, i, i. À vous. Mi, i, i. À vous. Mi, i, i. N'avalez pas votre parapluie comme ça, allez. Mi, i, i. Allez, crachez. Mi, i, i. Respirez pas avec vos épaules. Mi, i, i. Bien, allez. Mi, i, i. Mi, i, i. Allez, allez. Mi, i, i. Mi, i, i. Lâchez votre souffle, allez. Mi, i, i. J'ai l'impression d'une noix qu'on est en train de poursuivre dans une basse-cour. Oh, mais oui, mais... Oui, mais vous faites un cinéma terrible de cette respiration, c'est ça. Mais attendez, on va faire autre chose. Alors, on va essayer des A, puis décontractez-vous. Vous avalez votre parapluie à chaque instant. Allez. A, A, A. Baillez bien, allez. A, A, A. Voilà, c'est bien. A, A, A. Mes deux accords. A, A, A. Allez, décontractez-vous. Rigolez un peu. A, A, A. Allez, lâchez, lâchez. A, A, A. Lâchez votre ventre, lâchez. Ah, ah, ah. Vous allez finir en porte-manteau, ouais, attention. Comme l'athlète, moi. Mais oui, je sais pas, c'est pas du tout ça. Faut pas respirer avec vos épaules. Non, respirez là, un petit coup d'air. Madame Charlot, votre élève semble avoir des difficultés avec son diaphragme. Hein. Oh oui, c'est évident, mais enfin, il est tellement contracté qu'on ne peut pas se faire une opinion définitive. Vous le trouvez plus contracté que d'autres élèves que vous avez eus? Ben oui, et ça me surprend particulièrement parce que, étant donné le personnage, c'est très surprenant. Oui, il a l'air très... Oui, oui, il est très contracté, il respire avec ses épaules, enfin, mais pour une première fois, c'est pas du tout inquiétant. Combien de temps pensez-vous qu'il vous faudra pour en faire une vedette? Très rapidement, on pourra obtenir un résultat parce que la voix est très bonne, je le sens. Non, mais un mois, quelques semaines. Oh, un mois. En travaillant assidûment, on peut très bien. En travaillant quoi, 2 fois par semaine? Oh, un peu plus quand même, un peu plus, oui. Presque tous les jours, lorsque je parle d'un mois, presque tous les jours. Vous avez eu énormément d'élèves qui sont devenus très célèbres, je crois. Bah oui, il y en a pas mal. Par exemple? Ben là, vous me surprenez sur le moment, qui puis-je vous dire, Mireille Mathieu, par exemple. Et puis, j'ai Georgette Lemaire. Oui. Et puis, j'ai aussi des comédiens. Et qu'est-ce que vous pensez, en comparant Étienne à ces gens qui sont déjà devenus célèbres, si vous vous rappelez leur première leçon, comment pouvez-vous la situer par rapport à ce que vient de faire Étienne là, à la seconde, puisque c'est sa première leçon aussi? Eh bien, je trouve qu'il est particulièrement plus appliqué. C'est ce qui l'a paralysé complètement, oui. C'est très surprenant. C'était épatant, alors. Vous pensez qu'il a un bel avenir, alors? Oh oui, sûrement. Aucun doute. C'est un personnage, il est intelligent, ça se voit. La voix sera bonne, suivra, enfin, sera très bien. C'est la guerre. Nous sommes en train de partir. C'est la première bataille. 5 ans pour chacun. Étienne représente une bataille. Oui, je suis un croisé. Oui, si, parce que Étienne, c'est finalement, dans notre activité, c'est la première vraie responsabilité où on s'engage personnellement, on engage quelqu'un personnellement. Oui. Jusqu'à maintenant, c'était une expérience. Vous avez pris des risques, je m'excuse d'interrompre dans ce cas. Pas aucun risque, c'est moi qui ramasserai les tomates après. Là, tu te trompes. Non, est-ce que vous avez pris des risques? Bien sûr, enfin, on a pris des risques d'abord en engageant une maison de disque d'abord. Oui. Vis-à-vis de... Financier, vous n'avez pas des risques financiers? Non, non, on n'a pas. Il n'y a aucun risque financier de prix, il y a simplement un pari qu'on tient vis-à-vis de tout un métier, en fait. Oui, je veux dire, vous risquez de vous couvrir de ridicule. Oui. Julie, bonbon, c'est bon, c'est bon. 12 janvier 1968, Étienne entre pour la première fois dans un studio d'enregistrement. Elle vendait des bonbons et faisait des à côté. Elle servait le champagne chez Monsieur. Bon, c'est bon, c'est bon, j'ai les bonbons, c'est bon, c'est bon, j'ai les bonbons, c'est bon, c'est bon, j'ai les bonbons. À la sortie des classes, les gosses en ribambelle lui achetait des glaces, moi je la trouvais belle. C'est bon. Dis donc, Polo, il y a des trucs là qui clochent un peu là. Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Et c'est le lendemain, 13 janvier, qu'Étienne Roblot enregistre son premier disque.